Bienvenue à toutes et à tous dans cette review de l'épisode 14 et de l'épisode 15 de Shingeki no Kyojin. On va voir ça un peu ensemble. Normalement les images que je vous mettrai du coup ce sera que les images de l'épisode 15 il me semble. J'ai pas pu trouver ceux de l'épisode 14, mais bon voilà, on va parler de ça ensemble. Et deux épisodes masterclass j'ai envie de dire, et deux épisodes qui vont nous raconter un peu les points de vue de chacun des frères Jaeger, que ce soit Sieg ou que ce soit Eren. Commencer du coup par cet épisode 14, la discussion entre Eren, Mikasa et Armin, et Gabi du coup qui n'a fait que regarder au final pour cet épisode. Et quel épisode, je pense que pas grand monde s'attendait à ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que Eren certes est détestable dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, mais on peut pas forcément lui en vouloir, parce que ce qu'il dit et ce qui tout ce qu'il a dit par exemple à Mikasa, que c'était que des personnes au final créées, parce qu'on sait qu'ils avaient été créés, on va dire artificiellement plus ou moins, qu'ils ont été créés pour défendre les Eldiens, le roi Eldien, et ce que Eren a dit à propos de Mikasa, ça reste vrai, parce qu'on peut le voir à la réaction lorsque Armin essaie de frapper Eren, Mikasa le défend directement. Et cet effet, Eren nous l'a expliqué, c'est quand du coup il faut qu'il y ait un élément de déclencheur pour les Ackerman. Pour Mikasa, ça a été quand Eren a tué, l'a sauvé en quelque sorte, et a tué on va dire ses malfaiteurs devant elle. Et pour Levi, souvenez-vous, c'était dans une AMV, il me semble, lorsque ses amis d'enfance se font tuer et lorsqu'il voit Erwin. Et c'est au final, pour un Ackerman, c'est comme une figure un peu de supériorité. Ils sont obligés de protéger quelqu'un, quelqu'un qui les aime, enfin qui les aime, qui respecte, on va dire même, parce que qui les aime, on ne sait pas trop. Mais vraiment, on a cette sensation. Et lorsque Eren dit avec quand ils ont mal à la tête, lorsque les Ackerman ont mal à la tête, c'est qu'ils refusent en quelque sorte de protéger ceux en qui ils respectent, on va dire ça, on va continuer avec ces termes. Et souvenez-vous, quelques épisodes avant, Mikasa a eu ses migraines. Donc là, on peut se dire, est-ce que Mikasa va rester du côté d'Eren après ce que Eren lui a dit, après tout ce qu'il leur a fait endurer? Et quand il utilise les mots envers Armin, lorsqu'il dit qu'il n'est plus lui-même, qu'il est un peu, comment dire, il a en lui le fantôme de Bertholdt, et c'est pareil, on peut pas dire qu'il ment, qu'il a faux, parce qu'on voit, même je trouve personnellement, au niveau du design d'Armin, il a beaucoup changé, et il s'est rapproché un peu du design de Bertholdt avant, donc ça c'est intéressant. Et le fait qu'il aille voir tous les jours Annie qui lui parle, on sait que Bertholdt aimait Annie, et même si Armin, on sait que avant aussi on voyait qu'il y avait une relation entre Armin et Annie avant qu'il reçoive son titan, on peut pas en vouloir à Eren de penser que Armin est, on va dire, en quelque sorte possédé par le fantôme de Bertholdt. Donc en quelque sorte son point de vue se défend. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va apprendre avec l'épisode suivant quel est le plan de Sieg et de Eren, et on peut se dire que c'est possiblement le seul plan. C'est un plan qui nécessite la guerre, mais ça reste un plan plausible, pardon, et qui mérite au final d'être réfléchi. Donc vraiment cet épisode 14 qui reste intéressant. On a toujours du coup la supériorité, on va dire, des pro-Jaeger, avec même les nouveaux membres, les jeunes recrues qui vont rejoindre les rangs des pro-Jaeger. Et vraiment cet épisode qui m'a scotché, avec aussi comme on l'avait prévu, j'ai envie de dire, il y a de ça trois épisodes, il me semble, on l'avait vu, le plan de Sieg qui visait tout simplement à transformer les membres du bataillon d'exploration qui était avec Levi, à les transformer en titans. Et on a le match retour, j'ai envie de dire, et une nouvelle fois la domination de Levi, Sieg qui n'a rien pu faire, Sieg, on retrouve en quelque sorte le Sieg des autres saisons, sans pitié envers les titans, un peu comme à la fin de la saison 3 là, où il va massacrer
Alors qu'il sait que c'est que ce sont ses alliés. Là maintenant, il a la confirmation, il les a vus se transformer devant lui. Et bah, il n'a pas de pitié pour eux. Et ce qui est beau, c'est les mots qu'il emploie quand il dit bah, qu'au final, il y a tellement de monde qui sont morts de ses amis et de tous les Eldiens que bah, quelques morts en plus, ça changera pas grand-chose au final. Ça peut que faire avancer Eldia. Et au final, bah, ces vies humaines qui pourtant, bah, la vie humaine, c'est une des choses les plus précieuses, et bah, elles se retrouvent négligées. Et on voit ça depuis le début de SNK. Et on va maintenant un peu parler bah, de l'épisode 15 aussi. On a encore cette continuité à dire au final que la vie des Eldiens bah, vaut mieux au final ne pas vivre que de vivre et d'être Eldien. Et c'est pour ça d'ailleurs que Eren et Sieg vont faire tout ça. C'est pour éviter à la... À la, la, aux générations suivantes de continuer ces persécutions, de vivre dans ce monde où la guerre ne fait que régner, la mort ne fait que régner, et au final, pour eux, de leur point de vue, la mort est une bonne chose. Et bah, quand on voit au final, depuis le début de Shingeki no Kyojin, c'est pareil, on peut pas se dire que leur point de vue est mauvais, et on a vu depuis le début de Senka, on est baigné dans cette mort perpétuelle, le fait que des personnages. Isayama d'ailleurs en joue de ça, des personnages qu'on apprécie durant un ou deux épisodes, il les fasse mourir au bout de deux ou trois épisodes, pas plus. On l'a vu même lors de cette saison avec, je sais pas, je dirais bah, les. Je me souviens plus de leur nom là de tête, mais les apprentis, les guerriers là, ceux qui allaient recevoir les titans qui sont morts, celui qui s'est fait écraser par la pierre et puis celui qui s'est fait piétiner par la foule. On les a vus pendant quatre épisodes, on les a trouvés attachants, mais. Voilà, Isayama les a fait mourir au bout de quelques épisodes. Et voilà, on s'en joue et on peut se dire, Isayama s'en joue et on peut se dire que la mort au final dans cet animé vaut mieux que la vie. Et c'est ça toute la beauté de Senka, tout ce qui fait, c'est ce qui fait au final réfléchir et c'est ce qui permet de faire autant de théories, j'ai envie de dire. Il y a un peu ce côté aussi philosophique dans les Senka et c'est ce qui est très beau. On a aussi, je me posais la question, on n'a toujours pas vu du coup bah, les marques qui ont débarqué sur l'île, qui n'ont toujours rien fait. Et voilà, on va pouvoir voir un peu quel est leur plan, qu'est-ce qu'ils vont faire. Du coup, bah, on a là, dans cet épisode 15, le flashback de Sieg, tout ce qu'il a enduré durant sa vie. Et on se dit que bah, ce qu'il fait aujourd'hui, bah, de son point de vue, on ne peut pas lui en vouloir. On comprend un peu tout ce qu'il a vécu avec son père. Qu'il a essayé d'endoctriner et bah forcément un enfant ça reste un enfant, on a beau lui faire rentrer tout ce qu'on veut dans la tête, ça reste un enfant et c'est ça qui est beau avec la découverte du professeur Xavier je crois qu'il s'appelle et souvenez-vous on l'avait vu ça dans la saison 3 lorsqu'on voyait bah, Sieg dénoncer ses parents, il y avait eu un court flashback et on voyait tout simplement un homme tenir Sieg dans ses bras et ben bah, on avait déjà l'image à la saison 3 du professeur Xavier. On voit forcément que ce professeur, bah, on voit très clairement que c'est une bonne personne. Hein. C'est pas une personne vraiment qui cherche à enfoncer, on va dire, Sieg. C'est vraiment quelqu'un qui va l'aider et qui va bah, lui faire découvrir en quelque sorte la vie, ce que c'est d'avoir un vrai père. Parce qu'il l'a dit même lui-même lorsqu'il racontait un peu l'histoire avec sa femme et son enfant, une histoire d'ailleurs très très triste. J'ai eu quelques petits trucs sur Twitter, je sais pas si c'est pas MAPPA d'ailleurs qui ont raconté tout ça, qui ont inventé tout ça avec ces images, mais bah, que le professeur du coup avait eu un enfant avec une femme marre sans lui dire que c'était un Eldien, et la femme s'est tuée avec son fils. Et ça vraiment c'est l'un des pires crimes personnellement je trouve, et du point de vue du père ça doit être tellement horrible. Et au final, il pouvait même pas lui en vouloir à la femme, j'ai envie de dire, il pouvait s'en vouloir qu'à lui-même, c'est ce qu'il nous dit. Et c'est là toute la cruauté des Senka, c'est que tout le monde ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et Senka, c'est très cruel, j'ai envie de dire. Et quand il dit Sieg, après avoir dévoré Xavier, après que le professeur Xavier lui ait expliqué tout son plan qui vise du coup à bah, modifier génétiquement, non physiquement plutôt, le corps de tous les Eldiens pour qu'il n'y ait plus d'enfants, pour qu'ils ne puissent plus se reproduire. Lorsqu'il dit je vais trouver un moyen d'accomplir, on va dire ce rêve, d'accomplir ces choses,
Et quand il dit je vais y arriver, papa, et là c'est toute la beauté parce qu'on voit que le professeur Xavier a remplacé le vrai père, son vrai père, j'ai envie de dire, et c'est très beau cette philosophie. Et quand il apprend que son père, que Grisha est en vie, on a cette image de la saison 3 quand Sieg avait dit, ils étaient sur les toits de Shiganshina, il a dit tu n'es qu'une victime, je vais te tirer de là. Et bah c'était pas un piège au final, il était sérieux, mais on n'avait pas forcément en fait les images de pourquoi il voulait le sauver, de comment il voulait sauver, de qu'est-ce qu'il savait plutôt lui. Et vraiment là on sait que c'était pas dans des mauvaises intentions. Tout ce que Sieg fait là au final, c'est pas dans des mauvaises intentions. Au final, c'est juste des dommages collatéraux. Et ça, on le voit dans les deux camps. D'ailleurs, petit détail que je voulais rajouter, c'est au début de l'épisode 15, quand on voit un peu Revelio, direct l'image, quand on nous dit, après on nous dit que c'est Revelio, la première image qu'on voit, on se dit, ça y est, on voit, là on se dit directement, bah on est dans les murs. Et on a encore ce parallèle, encore et toujours, j'ai envie de dire, que entre les murs, à l'intérieur des murs et à l'extérieur des murs, eh ben, c'est la même chose. On a du coup des discussions, on a des révélations, on apprend des choses à l'extérieur et à l'intérieur des murs. Il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes. Et on a cette continuité encore entre l'épisode 14, où on a vraiment ces discussions, où on apprend des choses à l'intérieur des murs, et l'épisode 15, où là on est à l'extérieur des murs, on est à Revelio, où on apprend des choses. Il y a vraiment encore ce parallélisme de construction qui continue. Et cette fin d'épisode 15, où Sieg tire la corde et où il dit je fais ça pour vous, je me souviens plus, je sais plus trop ce qu'il dit. Regardez, je fais ça pour vous, monsieur Xavier, avec du coup un Levi. Dans quel état est-ce qu'on va le retrouver? On se souvient de l'image du trailer où on voyait un Levi complètement ensanglanté et tout. Est-ce que ça va être à l'épisode suivant? Je pense. Mais est-ce que Sieg au final va s'en sortir? Ce serait bizarre franchement qu'il meure. Je le vois pas mourir. Je pense qu'il va survivre. Souvenez-vous, épisode 14 aussi, quand Levi prend Sieg, Sieg qui venait de se faire exploser. On a cette image sur le titan de Sieg et avec l'image qui se décale sur quelque chose et on voit cette chose un peu bouger. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que Sieg aurait développé un nouveau pouvoir qui puisse au final, on va dire, se dédoubler en quelque sorte? Je me pose vraiment cette question parce que vraiment on a cette image. Mappa et Isayama nous auraient pas mis une image comme ça qui se décale sur le titan et après sur quelque chose et justement on voit cette chose bouger d'un coup, et je me pose vraiment la question, qu'est-ce que c'est? Je pense que Sieg nous prépare quelque chose, s'il a tiré sur la corde, s'il a fait ça, c'est qu'il a un plan derrière la tête, il se ferait pas il sauter comme ça, il mourrait pas après avoir fait tout ce qu'il a fait, après avoir sacrifié des centaines, des milliers de personnes, que ce soit des Mares ou des Eldiens. Donc voilà. Hâte de découvrir ce qui va arriver par la suite, vraiment, on a eu le droit à deux très très bons épisodes. On s'y attendait forcément avec là on a re-eu un peu cette action qui nous manquait depuis pas mal d'épisodes et je pense que ça va très vite revenir à mon avis. Mais MAPPA a très bien réussi leur coup là pour le coup pour l'épisode 14 avec un peu de CGI mais qui piquait pas trop les yeux, de la très bonne animation hein, quand on attendait ça de toute façon quand on a eu vu Levi, on n'avait pas vu encore ça, mais quand Levi se met à tourbillonner dans tous les sens comme ça là. Ça nous avait manqué en quelque sorte et vraiment très content d'avoir vu ça, que MAPPA ait réussi ça. Et voilà, ça nous promet du très très lourd pour la suite. Je sais pas du coup comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir l'épisode 16 après une pause? On verra ça, je pense, par la suite. Ils nous mettront un petit truc pour nous l'annoncer, je pense. Mais vraiment hâte, hâte de découvrir la suite et ce qui va se passer. On se retrouve dans la semaine pour la preview de l'épisode 16 déjà. On s'approche de la fin. Ceux qui lisent le manga, ils sont quasiment à la fin. Personnellement, je le lis pas, mais vraiment hâte de découvrir la fin et la suite de Shingeki no Kyojin. Sur ce, comme d'habitude, kiffez la vie et kiffez Senka. Ciao tout le monde.